Salut à tous, bienvenue sur Direct Snap, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Emma Ketchup et Vlad. Entre le couple d'influenceurs, les choses ont l'air bel et bien terminées. Même si c'est pas la première fois que les choses sont compliquées entre Emma et Vlad. Cependant cette fois-ci, ils ont tous deux partagé, sur leur Instagram respectif, des messages clairs pour exprimer leur tristesse concernant leur rupture toute fraîche. De ce fait, je vous ai partagé les dernières news écrites que je vous ai lues pour les plus fémards d'entre nous. Allez, je vous en dis pas plus, je vais découvrir les images. N'hésitez pas à partager vos réactions en commentaire. Bonne vidéo à tous. Je souhaite à Emma tout le meilleur. Quand les choses changent pas, il faut faire des choix. Parfois, on préfère pas prendre de décision par peur de faire de mauvais choix. Mais si tu veux pas prendre de risques en prenant de décision, rien ne changera pour toi. C'est par ici que les changements d'une vie se passent. Avec Emma, c'est terminé. Je vous explique tout sur Snap. New life is coming. Next stop, Dubaï. C'est pour ça aussi que vous ne me voyez plus avec Emma depuis un mois, pour ceux qui m'ont toujours posé cette question. Je voulais que ça reste privé, le temps de me remettre, mais malheureusement, tout pour le buzz. C'est au final tout ce qui a compté. S'il vous plaît, ne contribuez pas à ça. Je souffre déjà assez. On a décidé que notre relation soit publique, il faut s'y tenir jusqu'au bout. On n'est plus ensemble et ça date pas d'hier. C'est pas parce que c'est sur les réseaux que tu souffres moins. Belle technique pour essayer de mettre tout le monde contre moi. Il ne faut pas la jouer comme ça. Tu me bloques de partout après m'avoir écrit quelque chose, tu prends même pas le temps d'avoir ma réponse. Mais par contre, ça souffre fort, pas de soucis.